Bon, bah, bonjour à tous au large de l'Australie. Là, je suis environ à 600 milles de la Tasmanie et le vent mollit, donc ce qui est un petit peu embêtant parce que là, j'avance vraiment très lentement. Donc, je vais essayer d'améliorer mon gréement. Je vais le déposer. Je vais faire des systèmes de remontée de dérive pour pouvoir changer de bord. Et puis, le morceau de grand voile de quelques mètres carrés qui me reste, je vais essayer de le retailler pour me faire une nouvelle grand voile pour essayer de remonter un peu au vent comme le vent va tourner. Allez, action! Bon, bah voilà ma nouvelle grand voile. Ça, c'était un morceau de la chute qui était resté sur le pont quand j'ai libéré le gréement. Donc avec ça, bah, dedans, j'ai pu bricoler un petit peu pour qu'elle puisse être hissée avec un système de réglage un peu inédit là, en plein milieu. J'ai remis des systèmes de relevé de dérive. On voit que celle à bâbord là, elle a été cassée dans le choc. Bon, bah voilà, donc j'ai été obligé d'optimiser le gréement parce que le vent a molli. J'avançais à 4 nœuds avec 35 nœuds de vent, mais là il y a une quinzaine de nœuds, ça va mollir encore. Je suis encore à 500 000, presque 1000 km de l'Australie, donc je ne suis pas arrivé du tout. L'aventure continue et il faut que je tire le maximum du bateau. Voilà, donc là je peux pas faire mieux, j'ai plus de tissu à bord. Il me reste juste un peu de gasoil pour l'approche des côtes, donc maintenant il va falloir être malin pour réussir à avancer dans l'anticyclone qui me barre le chemin. Voilà, l'aventure continue.